Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise de l'audience. Before giving the floor to the co-prosecutor, I would like to clarify the time allotted to parties. Je voudrais apporter quelques précisions co-prosecutor à l'attention des parties. With the civil party, we'll have one day to put question to this witness. Earlier, I said you to have one full day and one session, but actually, co-prosecutor together with civil party, you will have only one day to put question to this witness. You may not proceed, co-prosecutor. Les autres parties. Donc, j'avais dit un peu plus d'un jour, mais en fait, il ne s'agira que d'un jour. Vous disposez d'un jour pour votre interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais maintenant aborder un autre sujet qui est la structure et l'organisation du personnel au centre de sécurité de Krang Datchan. Lorsque vous êtes arrivé sur place, aux alentours de fin 1975, au centre de Krang Datchan, est-ce que vous avez cessé de recevoir des instructions de votre ancien chef de l'unité de 50 membres, PIN, ou d'ancien chef de l'armée du district, ou the head of the district military force? But of the answer, I did not receive the orders from him. Ce n'est pas lui qui m'a donné des ordres. Alors, une fois à Krang Datchan, qui donnait les ordres, les instructions à l'ensemble du personnel qui travaillait sur place, qui veillait au respect de la discipline et qui présidait les réunions sur place? And who chaired meetings at the center? Anne et Peng. Quelles étaient les fonctions de Ta An et les fonctions de Peng? What were Ta An's functions and Peng's functions? Answer: Ta An was the party member. Ta An était membre du parti. Est-ce que c'est lui qui dirigeait le centre de Krang Datchan? Was he the person who headed the Krang Datchan center? Ta An. Answer. It was Ta An. Oui, c'était Ta An. Et Ta Peng, quelle était sa fonction par rapport à Ta An? And what were Ta An's functions in relation to Ta An? Peng was the deputy. Peng était son adjoint. En ce qui vous concerne, qui vous a ordonné de distribuer des courriers et donc d'être un messager? Who ordered you to deliver letters and therefore to be a messenger? Answer: Ta An ordered me to be a messenger. C'est Ta An qui m'a ordonné d'être messager. Quand vous êtes arrivé sur place avec les cinq autres gardes, and when you arrived on site with the five other guards, à part Ta An et Ta Cheng, aside from qui était Ta An le membre Ta Cheng, du comité du centre who de sécurité? Who belonged to the committee at the security center? There were only two individuals, as I mentioned, who were comme the leaders dit, of the security center. Il n'y avait que deux dirigeants au centre de sécurité. Vous avez parlé également d'un dénommé Cheng, C-H-E-N-G, dans votre procès-verbal d'audition D40/23, à la l'IRN en Khmer 00-1-6-5-3-5-3, en français 00-49-09-07-08, et en anglais 00-22-33-33-33.
3209. Et vous avez dit ceci. Question, comment s'appelait celui qui a dit cela pendant la réunion? Réponse, c'était le dénommé Han. Il était le directeur du centre de Klang Tachan. J'ai oublié son nom de famille. Question suivante. Concernant la réunion portant sur l'exécution du plan, to implement the plan, aside from Anne, who was personnes? The chief, were there any other people? Réponse, answer, à part Anne, il y avait aside les dénommés from Anne, Pen, there was a so named Pen, P-E-N-H, and Cheng, C-H-E-N-G, leur nom but famille. I do not know their last names either. Est-ce que le nom de Cheng does vous évoque des, Cheng une position particulière au centre de Klang Tachan ou non? You of a particular function at the Klang Tachan center or not? Bad answer. I did not know Cheng's position or function. Je ne savais pas however, quelle I position knew that the six individuals were party members. Mais je sais qu'il y avait six membres du parti. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez du nom de ces six membres du parti? Do you remember à part the ceux names qu'on a déjà cités, Han, Pen et Chang. Quels étaient les trois autres? Han, Pen and Chang. I have already referred to. Who are the three others? An Ben Cheng, An Ben Cheng, Qing, Qing, Chun, Chun, and another person's. Et une autre personne. Name also Qing. There were qui two Qing. S'appelait également Qing. Il y en avait deux en fait qui s'appelaient, qui avaient le même nom. And Duke are the chief of unit était le chef in the district. Le chef de l'unité, pardon, dans le district. Dans votre procès-verbal d'audition, le même procès-verbal, vous avez également mentionné un certain Meun. Est-ce que son nom vous dit quelque chose parmi les membres du parti? Does that name remind you of any member of the party? Yes, actually, this person, oui. I know this person, and I je forgot personne. Mentioning his name. Cette personne, mais j'ai oublié de la mentionner. Comment savez-vous que ces six personnes, how did you know sept, that those étaient membres six du or seven parti, persons were members parti communiste of the party, du Cambodge? That is the Communist Party of Cambodia. Answer. Actually, there were two types of meetings. Il y avait deux genres de réunions. Je vous demandais si ces personnes, ces six personnes, my question ont mentionné qu'ils étaient membres du parti whether those six persons communiste du Kampuchea ou comment avez-vous su qu'ils étaient membres du parti? Communist Party of Cambodia. If not, how did you know that they were members of the party? Okay. Answer. I observed that there were two types of meeting at j'ai that time. One type of meeting include the et composition of party members. Pour une partie des réunions, c'était seuls les membres du parti qui assistaient, en fait. D'accord, donc il y avait six membres du parti quand vous êtes arrivé avec votre groupe de six, six party ou six gardes de sécurité. Est-il correct six, de dire guard, que votre unité de six gardes de sécurité était subordonnée à l'unité des six membres du parti? Subordinate to the unit composed of six party members. Answer, yes. Oui, c'est exact. En tant que subordonné, est-ce que vous deviez en conséquence a subordinate, obéir aux ordres venant des membres du parti have to obey orders, et en particulier du comité from de direction du centre party, de Klang Tachan
ou bien est-ce que vous aviez le choix de ne pas faire ce qu'on vous demandait? Leadership, or you had the choice not to do what you were asked to do. Actually, six of us were the guards stationed outside of the gardes. Compound. Nous devions surveiller l'enceinte. Ma question était différente. C'était de savoir si My question was different. Vous étiez en tant que subordonné à l'unité des membres du parti. To the unit est-ce que vous deviez obéir aux instructions qu'on vous donnait under a duty ou accomplir les tâches qu'on vous disait de faire, par exemple vous, être messager? To you, for instance, carry out certain tasks and to work as messengers. Yes, we had to obey the order because the order came from the superior. Les ordres étaient donnés par les supérieurs hiérarchiques. Est-ce que vous saviez ce qui se passerait? Vous saviez à l'époque ce qui se passerait si vous ne respectiez pas la discipline ou les instructions qui étaient données par les dirigeants du centre de Krang Ta Chan? Disciplinary measures handed down to you by the leadership of the Krang Ta Chan Center. If we did not comply with the discipline's order, si we would be detained in the pas, prison. Eh bien, alors nous étions détenus dans la prison. Est-ce qu'il y a eu des exemples de dans le passé de gardes qui n'auraient pas obéi à la discipline et qui se seraient retrouvés détenus au sein du centre? Measures who were detained at the Krang Ta Chan Security Center. Yes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette ou de ces personnes qui ont Can you give us the name été détenues pour cette raison? Of the persons who are detained for that reason? God ban. This person had the moral offense with a lady out. Size Je pense of the compound and he was detained in the prison. Il était l'auteur d'une conduite morale envers une femme et cette personne a été détenue dans la prison. Vous ne vous souvenez plus de son nom, c'est ça? You Ou no pouvez-vous longer nous remember donner son nom, son nom révolutionnaire de l'époque? Or can you give us the revolutionary name of that person? Answer. His name was Soon. Il s'appelait Soon. Est-ce que le nom de Ta Dam vous dit quelque chose? Does the name Ta Dam mean anything to you? Ta Dam nang muoy Soon mu. Yes, Ta Dam and Soon committed and Soon a moral misconduct. Avait été l'auteur d'inconduite morale. Je vais venir au détail des fonctions de cette unité de direction des membres du parti. Tout d'abord, concernant l'administration. Est-ce que les membres du parti étaient responsables de l'administration et notamment de la tenue de registres, d'écrire des lettres, des rapports ou de tenir des listes de prisonniers? And keeping lists of prisoners. Car not kajkar ao tang nang khom ot ban sau dang dai bi was not aware of this because I was young at that time. Je ne savais pas parce que j'étais jeune à l'époque. Un de vos collègues Sim a dit dans son procès-verbal d'audition D40/20 aux pages en Khmer 00165353030 en français 00524319 et en anglais 00435370. Sim a dit
This is what Sim stated. Ceci, je cite, il y avait un Duch, le chef, there qui était chargé du registre et des documents. Of records and fin documents. De citation. End of quote. Vous avez cité tout à l'heure le nom d'un Duch qui travaillait au district. Deutsch, who worked at the district. Est-ce que ce Duch avait également une fonction précise that person au sein Deutsch, de, did he have any du centre de Krang Ta Chan? I saw him participated in the meeting every month. I did not dare to look at his face. Chaque mois, mais je n'ai pas osé le regarder, droit dans les yeux. Donc, pour clarifier, vous avez cité un autre Duch dans votre unité à vous de garde de sécurité. Et puis, ce Duch venant du district. Unit, and he was from est-ce qu'on les distinguait par des noms différents pour ne pas les confondre à l'époque? Did they distinguish them by different names in order not to confuse both persons or the names of both persons during that period? Answer. One Duch was from the district and one Duch was a guard. And Duch who was working as a guard was assigned and asked to do the typing. Devait s'occuper de taper les rapports. Est-ce que celui qui venait du district savait lui-même taper à la machine? Est-ce qu'il tapait à la machine? Ou bien c'était l'autre Duch qui était dactylographe uniquement? Or it was the other Duch who could type? Answer. Two Duch could know how to do the typing. Les deux ne pouvaient pas être dactylographes. Donc, si je comprends bien, il n'y avait que le petit, celui de votre unité, qui était dactylographe. C'est ça que vous the junior Duch from your unit who knew how to type. Is that correct? Actually, a little Duch or small Duch did the regular task of typing, and as for little Duch, he would lend a hand in some occasion only. Parfois, l'autre Duch pouvait l'aider de temps en temps. Vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33 à la question 56 qui était ces lettres. Donc on parle des lettres que vous apportiez au district en tant que messager. Ces lettres étaient sans doute des rapports sur les prisonniers ou des aveux. Est-ce correct? Vous avez dit oui, tout à fait correct. Fin de citation. Donc, votre réponse semble indiquer que vous saviez tout de même un petit peu de quoi étaient faits les courriers que vous alliez transporter au district. Comment est-ce que vous saviez qu'il y avait des rapports sur les prisonniers ou des aveux dans les enveloppes que vous transportiez? Answer. As for the letters, I had the letter and I delivered them to the respective places and I did not dare to open and read the letters, otherwise I would be killed. J'avais peur d'être tué si je le faisais. La deuxième fonction sur laquelle je voudrais m'arrêter concernant toujours ces six membres du parti. Like to focus on c'est still les tâches to the six members que of the ces membres accomplissaient concernant l'interrogatoire des prisonniers. Je vais lire ce que vous avez dit dans votre premier procès-verbal d'audition D40/23 en Khmer à la page 00165354. En français 00, 49, 09, 08, et en anglais 00, 22, 32, 1, 0. Je cite la question, combien étaient ceux qui travaillaient dans ce centre, les chefs et leurs inférieurs? Réponse, au total nous étions 12.
Question, quels étaient leurs noms? Next question. Votre réponse. What were their names? C'était Anne, Pen, it was Anne, Cheng, Pen, Cheng, Qing, Qing, Men, Men, Chun, Chun, Duch, Duch, Seng, Seng, Sim, Sim, Wook, Wook, Touch, et le dernier, c'était moi-même. And the last was myself. Question suivante. Dans ce centre, ces employés ont-ils été répartis en sections pour s'occuper du travail? Vous avez répondu oui. Il y avait la section chargée d'interrogatoire et celle chargée de garde. Question. Qui appartenait à la section chargée des interrogatoires? C'était réponse. C'était les dénommés Anne, Cheng et Pen. Donc vous avez cité trois noms, so you gave Anne, names, Cheng et Pen, parmi les six qui étaient membres du parti. The six party members. Est-ce que les autres membres du parti jouaient également un rôle pendant les interrogatoires also play any role during interrogations? Ou ne jouaient-ils aucun rôle? Or they did not play any role. Answer. They rotated in their work in this matter. En fait, ils se relayaient dans cette tâche. Donc les six membres du parti so the six se relayaient party members took turns pour interroger les prisonniers. Est-ce que c'est bien correct? In interrogating the prisoners, is that correct? Bah. Answer, yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que pendant les interrogatoires, l'unité de garde de sécurité avait un rôle à jouer, par exemple, pour garder le lieu d'interrogatoire ou pour ramener les prisonniers au lieu d'interrogatoire? Interrogation venue or taking prisoners to the locations where they had to be interrogated? Answer, the six-man unit, l'unité they de ces would coordinate six work among themselves. Étaient bien coordonnés. En fait, ce sont eux qui se coordonnaient entre eux. Je voudrais maintenant venir au rôle de cette unité de direction, like avec ces six membres du parti, concernant l'exécution des prisonniers. Of the party et je vais lire deux extraits de vos procès-verbaux d'audition. Le premier, D40-23, à la page en Khmer 00165355. En français 00490909. Et en anglais 00223212311. La question est la suivante. Ceux appartenant à la section chargée d'exécution des prisonniers, saviez-vous d'où ils étaient venus? Votre réponse. Cette section était composée de ces six membres du parti. Question. Comment s'appelaient-ils ces six membres du parti? Votre réponse. Ils s'appelaient Anne, Pen, Cheng, Qing, Men et Chun. And Chun. Fin de citation. End of quote. Et dans votre deuxième procès-verbal d'audition, il y a une réponse légèrement différente que je vais lire. C'est le procès-verbal E319.1.33. Question 193. Est-ce que seul Korn, K-H-O-R-N, et Ross, R-O-S, était bourreau durant les exécutions à votre connaissance? Réponse 193. En tout cas, cinq membres du parti étaient bourreaux, à savoir Qing, C-H-H-E-A-N-G, Pen, P-E-N-H, Men, M-O-E-U-N, Ross, R-O-S, et Korn, K-H-O-R-N. K-H-O-R-N.
Question 196. Comment se fait-il que vous sachiez que Pen, Ching, Roth, Korn et Meun étaient des exécuteurs? Réponse 196. Parce qu'il n'y avait qu'eux comme personnel dans le centre de détention. Et puis ça se termine sur cette curieuse réponse. Avez-vous entendu dire que ces cinq hommes exécutaient des gens? Non. Donc je voudrais que vous précisiez. Qui était chargé de l'exécution des prisonniers? Est-ce que c'était l'ensemble de l'unité de direction composée des six membres du parti plus deux personnes dénommées Korn et Ross? Ou bien s'agissait-il précisément de personnes individuelles que vous pouvez citer? But answer. I did not know Ruh and Korn. Je ne connaissais pas Ruh ni Korn. Est-ce que à un quelconque moment durant votre travail à Krangtachan, certains de vos collègues parmi l'équipe de six gardes de sécurité ont reçu l'ordre de la part de Ta'an ou de Ta'Pen de jouer un rôle dans l'exécution des prisonniers? Answer. I myself was not involved in the task because I was said that I was too young. Moi-même, je n'ai pas pris part à cette tâche, car on m'a dit que j'étais trop jeune. Très bien, d'ailleurs, je ne vous accusais de rien, et je sais que vous étiez trop jeune. Mais par rapport aux cinq autres personnes composant votre groupe de gardes de sécurité, est-ce que certains ont reçu des ordres de participer à l'exécution des prisonniers? During that period, I was not aware of this matter because I was a messenger sending letters out to the outside areas and I did not know about this. Donc je n'étais pas au courant. Vous avez mentionné que vous étiez le plus jeune du groupe et qu'on ne vous avait pas demandé à vous de participer aux exécutions. Est-ce qu'il y avait d'autres types de tâches qu'on ne vous donnait pas à cause de votre âge, que ce soit en matière de surveillance des prisonniers ou d'autres tâches encore au centre de sécurité? Any other kinds of tasks linked to the security center? I was assigned to do the outside guard. On m'a demandé de monter la garde à l'extérieur. Je vais essayer de savoir maintenant ce que devait faire votre unité de garde de sécurité. What your security guard unit might have done. Puisqu'ils étaient des subordonnés soumis à l'autorité de l'unité de direction, donc des membres du parti. Authority of the party members. Est-ce que Ta'an ou les autres membres du comité ont demandé à des membres de votre unité subordonnée de surveiller les prisonniers qui travaillaient à l'extérieur et de veiller à ce qu'aucun ne s'échappe? And to make sure that none would escape. Bah. Yes. Oui. Est-ce qu'on a demandé également à certains membres de votre unité de surveiller les prisonniers dans les maisons de détention? Prisoners in the detention houses. From the day we started doing the guard duty, I was assigned to guard outside. Lorsque l'on nous a demandé de monter la garde, moi j'ai dû aller monter la garde à l'extérieur. Je vais revenir là-dessus I will get back to that, probablement demain.
tomorrow probably. Est-ce que on a demandé aux membres de votre équipe, the members of de votre unité de garde, requested d'amener les nouveaux to prisonniers bring the new prisoners qui arrivaient à Krang Tachan au niveau de l'enceinte extérieure. Donc, est-ce qu'on a demandé outside à votre unité de les amener vers les maisons de détention? Was your unit afin asked to bring them to the detention buildings so that these prisoners would be shackled? No. They only did that work among themselves. Non, ils faisaient cela seulement entre eux. Est-ce qu'on a demandé à certains membres de votre unité, certain members of your unit, unité subordonnée, that to say, et je ne parle pas de vous, mais des autres membres, that was under the party, est-ce qu'on vous a demandé d'amener des prisonniers vers le lieu d'interrogatoire et de les ramener ensuite après l'interrogatoire? And then to bring them back after the interrogation? We, the guards, were not used for that task. Nous, les gardes, n'étions pas affectés à cette tâche. Qui le faisait alors? Qui amenait les prisonniers vers le lieu d'interrogatoire? So who then brought the prisoners et to the interrogation place? Après l'interrogatoire? And then who brought them back? Les membres de l'unité de direction? Was it les membres des gardes? Ou bien d'autres prisonniers qui étaient chargés de le faire? Leadership, or the guards, or other prisoners who were in charge of doing so? They only did that work, that is to bring the prisoners out il and to bring them back amongst themselves. Ramener, donc en résumé, so to sum things up, je comprends ce que vous nous avez if dit. I understood well, en ce qui concerne l'administration, l'interrogatoire des prisonniers et l'exécution des prisonniers, the administration, ce n'était que l'unité de direction qui s'occupait de toutes ces tâches, pendant que les gardes de sécurité ne faisaient presque rien. Leadership that took care of that while the security guards did practically nothing. Is that correct? Bah. Yes. Oui. Quelques questions concernant des personnes regarding que dans vos procès-verbaux d'audition vous avez associées you au centre de Krang Tachan. To the Krang Tachan Center in your written record of interview. And I'm going to start Dutch with Dutch et P. And P. Voilà ce que vous avez dit and this is what you said, dans votre premier procès-verbal D40-23. C'est la toute dernière question du procès-verbal. It's the very last question, and I don't need therefore to mention the ERNs. Pendant la période où vous travailliez dans ce centre, avez-vous office, jamais vu de haut dirigeant quelconque qui sont allés superviser ce centre? Réponse, answer, il n'y avait only que les dénommés P et Dutch and qui travaillaient dans ce district de Tramkak, qui y allaient souvent they en moto ou en voiture. And vehicles there. Fin de citation. Vous end avez quote confirmé tout à l'heure que ces deux mêmes personnes venaient au centre de sécurité. These two people indeed would go et vous avez mentionné que Dutch avait un rôle. And you said that si je me trompe Duke pas, comme chef de la jeunesse au district. Was head of the youth. Est-ce que Dutch logeait sur level place à Krang Tachan? Was Dutch, grand Dutch, ou bien est-ce qu'il y venait par site, période? At Krang Tachan, I'm speaking about the big Dutch, or did he only come periodically? The big Dutch only came from time to time. Le grand Dutch venait de temps en temps seulement. Votre collègue Petit Dutch, your à l'audience, Little Dutch, therefore, et dans son procès-verbal d'audition D32-9-3, la réponse 4, 9-3, answer 4, a dit, je me souviens que le chef de la prison de Krang Tachan s'appelait Anne, et son sous-chef s'appelait Dutch. Anne, and, his underling was Dutch. Fin de citation. End of quote, free translation. Est-ce que vous êtes en désaccord avec do you disagree le petit Dutch with concernant little le rôle Dutch du grand Dutch regarding grand, big comme Dutch's adjoint de Ta'an à Krang Tachan? As Ta'an's deputy at Krang Tachan?
But you mean so dang da ba? I did not know the details in this matter. Je ne connaissais pas les détails de cette affaire. À votre connaissance et selon ce que vous avez as far pu observer, as you know, pourquoi based on what you noted Dutch there, Tom, donc le grand Dutch, venait-il à Krang Tachang? Come to Krang Tachang? Était-ce pour superviser, was contrôler, to supervise observer, to observe, mener des enquêtes, to carry out investigations, ou gérer le volet administratif or du to manage centre, the administrative ou toute autre aspects raison? Of the center, que vous avez une idée précise de la raison pour laquelle il venait can sur you tell place? Us why he would come to Krang Tachang? I did not know the details of his visit. Je ne connaissais pas les détails de sa visite. Est-ce que vous avez vu le grand Dutch venir à Krang Tachang jusque Big Dutch come to Krang Tachang? Fin 78 ou début 1979. Until the end of 1978 or the beginning of 1979. Mao, sometimes he came twice a month. Parfois il venait de façon bimensuelle. Et donc vous suggérez qu'il est venu jusqu'à la fin de la période durant laquelle le centre de sécurité a fonctionné. The very end of the security center. I did not know the details of his visits. However, during 1978, he came more frequently and sometimes he stayed overnight or sometimes he stayed for two nights. Je vais vous lire un extrait. I'm going to read an excerpt. Non, pas tout de suite, mais je not right away, in fact. Il y a au dossier well, procès verbal d'audition de certains Dutch, alias Dutch, le grand Dutch, of, qui porte la référence E3-46-27. Et à la page en Khmer 0016-34-9-2, en français 0065-12-58, et en anglais 00-22-34-75. Le grand Dutch dit qu'il est allé évaluer la situation. That he went to assess the situation. Mr. President, thank you. Maître Coppe, je vous remercie. I'm not sure if it has been established yet that je ne sais pas s'il a été ou non the witness the prosecution is referring to, who is, as we know, dead, is in fact the same person as Big Duyk. So, unless the prosecution can convince me donc, otherwise, I think I should object to this question. À me convaincre autrement, je dois soulever une objection. Il va être difficile avec le témoin de l'établir précisément. Est-ce que le nom de Yip Dutch vous dit quelque chose par so rapport does the name Yip Dutch à ce grand Dutch? Est-ce que c'est la même personne ou des personnes différentes? In relation to Big Duyk, are these the same people or are they two different people? There were two Dutch at Krang Tachang. One was a big Dutch and another one was a small Dutch. And one was Dutch Elis Sarat. And another one, I only knew him by his name, Dutch. Je voudrais vous demander, monsieur le témoin, like si you, vous avez vu personnellement les acteurs Kim Nova et Nobnem à Krang Tachang, ou si vous en avez entendu parler. Krang Tachang, or if you ever heard about them. But no, I did not. No. Une autre question. Another question. Concerne Tapi.
Vous l'avez cité tout à l'heure comme venant Tapi, and you said earlier on that, du district de Tramkak, pour se rendre au centre de sécurité de Krang Tak Chan. When he came from Traktak district, quelles étaient, he went to à votre connaissance, les fonctions, so what do les you rôles ou les relations de Tapi Tapi's avec le centre de Krang Tak Chan? Quelles fonctions occupait-il au niveau du district? What district? What was his position at the district level? Correct interpreter. Tapi, the handicapped. Tapi, celui qui I did not know. About his actual role or position, but he was overall in charge of Krang Tak Chan office. Qu'il était responsable du bureau de Krang Tak Chan. Est-il possible qu'il avait des fonctions en matière de sécurité ou bien cela did ne vous dit rien? Did he maybe have any kind of duties in terms of security, or are you not sure? I was not sure at all. Je n'en étais pas certain. Tout à l'heure, je vous ai cité on, des passages de vos éditions où vous avez parlé d'un vieux com ou korn, K-H-O-N-N et Taros, R-O-S, qui exécutait les gens. Who would execute people. Et vous avez dit que vous n'aviez jamais entendu parler de ces personnes. Est-ce que vous confirmez effectivement que ces gens-là ne venaient pas à Krang Tak Chan pour exécuter des gens to execute people? I did not know Takon and Taru. I don't know if they came at night time, but during the daytime I did not see them. Mais je ne les ai pas vus en tout cas pendant la journée. Donc vous nous dites que personne ne venait du district pour aider. That nobody à l'exécution des gens, from à votre connaissance, to assist in the execution et que c'est donc of uniquement les six membres du parti qui s'occupaient de cela au it centre is only du, the six members de of the party who would take care of this at Krang Tak Chan. Yes. Oui. J'en viens maintenant à votre rôle comme Now, messager like de, du centre de Krang Tak Chan en relation avec le messenger at Krang Tak Chan Center, working. Est-ce que vous étiez le seul à Krang Tak Chan were you the only one at Krang à vous rendre au district pour remettre les enveloppes to du centre de Krang Tak Chan to deliver envelopes ou bien y avait-il d'autres from personnes the Krang Tak Chan Center, or were there other people doing the same? There were two of us. Nous One was Moon, a party Moon, member, and I, myself. Et moi-même. Est-ce que Moon se rendait lui-même à bicyclette Moon traveled to the district au by bureau bicycle, du district à Ang Roka? To the district office in Ang Roka? At that time, bicycles were the only means of transportation. Le seul moyen de transport à l'époque, c'était la bicyclette. À part vous-même et Aside from you and Moon, est-ce que vous savez si les cadres du parti you know qui travaillent au district, comme le Grand Duc at the district level, ou such as Tapi, Big Duke or Tapi amener des courriers avec eux lorsqu'ils se rendaient à Krang Tak Chan. Est-ce que vous avez vu remettre des courriers à la direction Did you à Ta'an lorsqu'ils deliver venaient? Letters to Ta'an when they arrived? I did not stay inside the compound, so I did not see what happened. Je ne voyais pas ce qui s'y passait. Est-ce qu'il est arrivé que ce soit Ta'an, Did it ever happen that it was Ta'an, Ta'duch, Ta'peng, ou Cheng, or Cheng qui vous remettent des enveloppes en main propre pour aller les porter au district d'Ang Roka? Letters directly to deliver to the district.
Sometimes when they want to visit their family, they would bring the letters, or sometimes they handed me the letters when they went outside to where I stood guard. Quand vous portiez les messages que la direction vous remettait, est-ce que vous les apportiez directement au siège du district de Tramkak à Angroka, et vous les remettiez en main propre au chef du district, ou bien vous avez parlé également d'un bureau du commerce, est-ce que vous les remettiez plus souvent au bureau du commerce de Angroka? The office of commerce at Angroka. It happens sometimes every day, sometimes every 3 days. I did not deliver the message or the letter directly to the district chief, but instead I handed it to the messenger, his messenger. Est-ce que le bureau du commerce qui était situé à Angroka se trouvait dans les mêmes bâtiments que le siège du district de Tramkak? Ou bien y avait-il une distance entre les deux bureaux? Was there any kind of distance between both offices? I was not really familiar with the district office, but in fact, I went to the commerce office. I believe there were two locations of the district office. One was at Liebo and the other one was at Trappen-Tomb. Et quand on parle de l'endroit Angroka, pouvez-vous nous dire sur quelle commune ou sur quelle route ou au croisement de quelle commune se trouvait cet endroit? Where this place was in relation to which commune? Angroka that now jobs in Angroka was located near the bridge and near the where the market is. It is in Trappen Thom Khang Thabong commune. Dans la commune de Trappen Thom. Est-ce que donc cet endroit se trouvait was this place located largement à l'ouest d'Angtasom? At the west of Angtasom. Et si oui, à combien de kilomètres environ? And if so, how many kilometers away? From Angtasom market through Angroka market, the distance is about 10 kilometers. À part les lettres que vous portiez au district, est-ce que vous avez porté des lettres ailleurs? Did you deliver letters elsewhere? Ce soit dans certaines communes ou coopératives ou d'autres centres de sécurité situés dans le district de Tramkak. Located in Tramkak district. But are they? No, I did not. No. I only courier the letters between Krantachan office and the commerce office. Vous avez mentionné dans vos PV d'édition la prison d'Angroka. Je vais y revenir tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez nous dire si le lieu de détention d'Angroka se trouvait loin du bureau du commerce from the office of commerce in Angroka, therefore far from the market. They made a location about 300 or 400 meters from the current Angroka market where they house the light offense prisoners. Où étaient détenus les prisonniers de peine légère.
Et est-ce que cette maison de détention était proche du bureau du commerce ou du siège du district? Office of Commerce, à peu près à quelle distance se trouvait-elle de ces deux autres endroits? The distance from the commerce office was only about 400 to 500 meters. As for the real office, district office, I did not know its real location. Au siège du district, je ne connaissais pas son emplacement exact. Tout à l'heure, vous nous avez dit que and si vous ouvriez une lettre, une enveloppe, if you would open an envelope, vous seriez. You would be exécuté. C'est executed. Également ce que vous avez dit dans votre procès verbal. That's also what you said in your written record of interview E319.1.33. À la réponse 47, vous avez dit je n'ai jamais lu parce qu'il m'avait prévenu que si j'osais ouvrir une lettre, je devais être exécuté. Fin de citation. End of quote, free translation. Qui vous a dit who told you que si vous ouvriez une lettre, vous seriez exécuté? You would be executed. Est-ce que vous pensez que c'était une vraie menace do ou c'était une menace that it was a real threat, en l'air? Or was it just some kind of supposed threat? At that time, from my observation, it was not just a mere threat. If I were to open the letter or the envelope, I would be executed. Si j'avais ouvert la lettre ou l'enveloppe, j'aurais été exécuté. Je vais vous lire un autre extrait de cette même procès-verbal d'audition. E319.1.33, therefore. Question 34. Question 34. Est-ce que les lettres que vous portiez étaient sous enveloppe ou cachetées? Réponse, were les lettres étaient tapées à la machine in envelopes or stamped? Et mises answer, sous enveloppe, they were typewritten and placed in envelopes, but they were not stamped. Les enveloppes étaient fermées à la colle. They were only sealed in the tantôt il y avait une lettre, glue. Tantôt deux, sometimes there was one tantôt letter, trois and lettres sometimes dans there une were seule enveloppe. Two or three letters in one envelope. Question, comment se fait-il question. Que vous sachiez que ces lettres étaient tapées à la machine? How did you know that these envelopes were typed? Réponse 37, these letters parce qu'il were y avait une machine answered, à écrire 37, au centre de sécurité de Krang Tachan. Krang Tachan Security Office had one typewriter. J'ai seulement remarqué qu'on les dactylographiait dans le bureau. I only saw them typing letters in the room, ensuite, ils les mettaient and then dans des enveloppes. Placed them in envelopes. Question. Question. Mais qui est-ce qui les dactylographiait? Who did the typing? Réponse. Au answer. Début, le chef initially, Han rédigeait wrote les lettres the letters à la main. By hand. Ensuite, il les donnait au dactylographe pour qu'il les tape. Handwritten draft was brought to the typist. Avez-vous vu de vos propres yeux Han rédiger ces lettres? Oui. Did you see Han j'ai vu de write mes propres yeux Han yes. écrire ces lettres I dans son bureau. Write these letters j'étais in his à office. 6 ou 7 mètres de I was son about bureau, 6 or 7 meters mais away je n'avais from pas his le office, droit de m'approcher de son lieu de travail. To come close to where he was working. Réponse 45. Answer 45. Non, je n'en ai pas lu I never read any letters. Une lettre, ni d'ailleurs les rapports even qui étaient également report, interdits de lecture. They did not fin let me look at it. End of quote. Tout à l'heure, vous avez suggéré on, que vous étiez garde seulement vers l'extérieur. Outside, mais dans ce passage, on comprend excerpt, however, que vous avez remarqué qu'on dactylographiait les lettres you que vous deviez porter dans typed, le bureau, the letters that you had to que deliver, le chef Han les rédigeait Han à la main, would handwrite these letters, puis les donnait ensuite au dactylographe, and then he would give them to the typist, et vous avez vu and tout cela de vos propres you yeux. Saw all of this personally. Par ailleurs, vous parlez de lettres et de rapports. Also speak about letters and reports, est-ce que vous pouvez nous fact. Donner des détails sur so ce que vous avez pu voir give us details about what you de saw ce bureau in this office, où les courriers étaient écrits à la main where letters were handwritten, par Han by et tapés à la machine? And then typed. Tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était par le petit Dutch. You said that it was little Dutch. Vous étiez à 6-7 mètres, qu'est-ce que vous voyez you were 6-7 meters quand vous étiez away. Là so what did you see when you were there? បាទក្នុងកន្លែងនោះយើងមិនអាចជិតបានទេពីព្រោះ
compound we were not allowed to go near, in particular as I was a young boy. Nous n'avions pas le droit de nous approcher dans cette enceinte, d'autant que j'étais and un jeune garçon. And I looked through the window and I Alors saw him writing la fenêtre, the letter, j'ai vu qu'il and that's what I stated in the statement. C'est ce que j'ai dit dans ma déposition. Est-ce que Dutch Sarat, le petit Dutch, did Dutch Sarat, passait say, beaucoup de temps little Dutch, spend a lot of time à taper à la machine typing. Dans cette maison, ce bureau de Ta'an. In this office, in Ta'an's office. He used the typewriter every day, mostly in the morning. La machine à écrire presque tous les jours, la plupart du temps le matin. Et donc ça veut dire so this means, combien de temps le matin? How often? Quelques minutes ou for how long? Ou c'était presque toute was la matinée? It, for a few minutes, à votre or avis, was it c'était combien for de temps? The entire morning? It varied. Ça dépendait. And I was not there all the time, so mais I cannot say for temps, certainty. Je ne pourrais rien affirmer avec certitude. Dans votre procès-verbal d'audition E319.1.33, à la question 36, at question 36, est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit sur les enveloppes? Was there any handwriting on the envelope? Question, vous avez répondu, you answered, il y avait seulement there le was nom des only destinataires. The addressee. Par exemple, for example, à l'attention de Ta-San. Ta-San. En général, ces mostly, lettres étaient adressées they à were Ta-San. Addressed to Ta-San. Est-ce que pendant une période and vous avez également did you also for a certain period of time pendant est-ce qu'à une certaine période vous avez également avant d'envoyer les courriers à Ta-San before est-ce que vous avez également envoyé des lettres the letters to Ta-San à did you Ta-chim, also deliver letters to Ta-chim à Ta-kit to ou Ta-kit à Ta-chai or to Ta-chai. No, during that period, I did not know about it. No, à cette époque, je ne savais rien. Est-ce que le nom sur l'enveloppe était écrit à la machine? Was the name on the envelope? Ou bien était-il écrit à la main? Typed or handwritten? The envelopes were handwritten. Les enveloppes étaient manuscrites. Et d'après ce que vous avez pu voir par la fenêtre, qui écrivait sur les enveloppes? And c'était Ta'an ou c'était to le petit Dutch ou quelqu'un d'autre? When you looked in through the window, was it Ta'an writing or little Dutch? Ta'an, not to say. It was Ta'an who wrote on the envelopes. C'était Ta'an qui écrivait sur les enveloppes. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous étiez familier avec l'écriture de Ta'an? Can we say that you are familiar with est-ce que vous pourriez reconnaître son handwriting? Écriture? Can you recognize his handwriting? Non, pas de bonnes choses. At the present time, no, I cannot recognize, but back then I could. Mais à l'époque, oui, j'aurais pu reconnaître l'écriture. Eh bien, Monsieur le Président, je crois qu'on va s'arrêter là, si possible, parce Monsieur que je voudrais montrer des documents maintenant aux témoins pour les rafraîchir peut-être like la mémoire. The witness some Merci. Documents to refresh his memory. President, thank you, the International Co-Prosecutor. Merci beaucoup. The chamber adjourns the hearing now and resume tomorrow morning, that is Wednesday the 4th of March 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. And tomorrow the chamber will continue to hear the testimony of the witness Wan Soon. This information is for the concerned parties and the general public. And Mr. Wan Soon
The hearing of your testimony as a witness has not yet concluded. You are therefore invited to return to the court tomorrow, and the hearing will commence from 9 o'clock in the morning, and you may now return to your residence. And a court officer, in collaboration with Visu, please arrange the transportation of Van Suen to his residence and arrange him to return to the courtroom before 9 o'clock tomorrow. And the duty counsel, you are also invited to return to tomorrow during the testimony of this witness. Security guards, you are instructed to take the two accused back to the detention facility of the ECCC and return them to the courtroom tomorrow morning before 9 o'clock. The court is now adjourned. L'audience est levée.